Pour gagner du temps, j'ai fait les préparatifs de base, c'est-à-dire que j'ai préparé des fruits et je les ai mis à macérer dans le sucre parce que ça doit macérer quelques heures. Donc si je m'y étais mis ce matin, il a fallu du coup je suis là pour voir le résultat. Alors là, on va essayer un nouveau mélange que je n'ai pas encore essayé, c'est un mélange de pommes, d'abricots et de groseilles, parce que je pense que quelque part, le sucré de l'abricot, le croquant de la pomme et l'acidité de la groseille, ça devrait faire un mariage assez intéressant du miel. Alors c'est une confiture un peu innovante, créatrice, je crois, Monsieur Gandon, que vous nous préparez. Donc, absolument. C'est une création, alors, une création personnelle. En votre honneur. Ça, c'est très gentil, Monsieur Gandon, et sachez que j'en suis très, très touchée. Donc, j'ai mélangé à la quantité de sucre que je souhaite mettre, qui représente approximativement la moitié du sucre total. L'autre moitié, ça va être le miel qu'on va rajouter lors de l'ébullition. Donc, je vais mettre à bouillir, et quand ça va bouillir, je vais rajouter la dose de miel, puis on aura environ, je dis bien environ parce que je ne sais pas ce que ça va donner, entre 35 et 45 minutes de cuisson. Bon, on saura lorsque la confiture fera la perle, elle sera bonne à mettre en pot. Si je peux me permettre, Monsieur Gandon, la préparation des fruits, comment s'est-elle faite, s'il vous plaît? Je n'ai pas bien compris, s'il vous plaît. Eh bien, vous avez bouché, comment ça se passe? Préparation des fruits, en ce qui concerne les groseilles, je les ai débarrassées de leurs branches, égrenées, si vous voulez, puis je les ai lavées, mes pommes, je les ai épluchées et coupées en tranches, et les abricots, je les ai dénoyautées. Voilà, quand ça a été fait, j'ai mis la quantité de sucre pour que les fruits s'imprègnent bien de sucre et en du jus qui est indispensable au moelleux de la confiture. Puisque les fruits contiennent, suivant les années, entre 25 et 60% d'eau, si on cuisait directement le fruit avec son eau, vous risquez que l'eau s'évapore et que la confiture soit trop sèche. Si vous voulez, qu'elle n'est pas le moelleux que je recherche dans la confiture. Donc en faisant macérer une nuit le sucre et les fruits, ça permet à l'eau de végétation des fruits de sortir et de se mélanger intimement au sucre pour faire une confiture qui soit plus moelleuse, plus sirupeuse si vous préférez. Est-ce que le choix du récipient est important? Et quel genre de récipient utilisez-vous? Eh bien oui, le choix du récipient est important. Techniquement, il doit avoir une large surface d'évaporation pour que la confiture cuise suffisamment vite. Si on prenait un récipient très étroit et très haut, l'évaporation se ferait mal et on obtiendrait une confiture trop liquide. Donc j'utilise deux sortes de bassines. Lorsque je fais ce que j'appelle une pré-série, une nouvelle création, je prends une bonne vieille bassine à confiture comme faisait ma grand-mère, qui a une capacité de 4 à 5 kg de fruits. Et lorsque je désire faire des séries plus grandes, j'ai le même genre de bassine qui a été faite sur mesure pour moi, mais qui contient 12 kg de fruits. C'est une bassine très large qui est un récipient à âme en cuivre. Un récipient, pardon, à âme en cuivre, c'est-à-dire que vous avez une couche de cuivre qui est saisie entre deux couches d'acier inoxydable. Alors, pourquoi du cuivre? Eh bien, parce que c'est un matériau qui répartit extrêmement bien la chaleur et qu'il est important qu'il n'y ait pas de points plus chauds que d'autres pour une confiture. Sinon, là où c'est trop chaud, ça va cramer. Là où c'est pas assez chaud, l'évaporation ne va pas se faire et la confiture ne va pas prendre. Vous obtiendrez, au lieu d'obtenir une confiture, vous allez obtenir de l'eau colorée. D'accord. D'où, si vous voulez, l'importance qu'il faut attacher à l'instrument, parce que c'est ce qui fait le gros de la réussite de la cuisson de la confiture. Si vous prenez de bons fruits et que vous avez un mauvais instrument, vous obtiendrez un résultat qui ne sera pas satisfaisant. Il est vrai que je pense que le savoir-faire est important. Il y a une façon de mélanger, une façon de surveiller la cuisson, une façon d'allier les fruits les uns avec les autres, qui est important, Monsieur Gandon. Oui, ça, bon, après, c'est beau. Enfin, c'est à mon palais de trouver si... Bien qu'un nouveau mariage en confiture, je construis d'abord dans ma tête, puis je confirme par l'expérience. J'ai été formé comme ça, à des constructions intellectuelles, en me disant d'après les propriétés de tel et tel et tel fruit, ça devrait faire un bon mélange. Je ne vous cache pas que tous les essais ne sont pas des réussites.
Je m'en doute, monsieur Gandon, mais c'est très important et je pense que c'est très courageux de votre part d'essayer de créer quelque chose et de créer une nouvelle confiture. C'est important parce que c'est un côté un peu rustique, excusez-moi entre guillemets, mais je prends ça pour un compliment, figurez-vous. Le côté rustique me paraît assez bien stigmatiser notre activité parce que en dehors des confitures, nous fabriquons également des charcuteries et là, nous rentrons dans une tradition rustique dans le sens latin, rustica, la campagne. Nous retrouvons la façon de traiter les produits de la campagne comme nos ancêtres savaient le faire. Parce que n'oublions pas que la confiture a été créée pour permettre tout simplement de conserver les fruits. Permettre de conserver les fruits. De conserver les fruits à une époque où on ne bénéficiait pas des réfrigérateurs ou des congélateurs qu'on a maintenant, et où le problème même de ma grand-mère, sans remonter très loin, c'est qu'elle avait un tas de fruits dans son jardin, donc son jardin produisait finalement sur 2 mois de l'année, et elle souhaitait pouvoir consommer ses fruits sur l'ensemble de l'année. Or, il y a des fruits qui se conservent bien l'hiver, comme les pommes par exemple, mais vous avez des fruits qui ne se conservent pas, comme les abricots ou les groseilles. Alors ces fruits-là, elle en faisait sécher à basse température dans sa cuisinière, mais elle en faisait aussi beaucoup de confiture, parce que c'est la façon la plus pratique de conserver les fruits, et puis ça lui permettait en plein hiver, en ouvrant un bocal de confiture, de profiter du soleil de l'été. Voilà. Absolument, c'est quelque chose de fantastique de profiter du soleil de l'été en plein hiver, ouvrir le bocal et les senteurs de l'été. C'est ce que nous disons aux gens qui viennent nous voir, c'est vous allez emporter un petit peu de soleil des Hautes-Alpes, tout simplement. Et ces fruits, monsieur Gandon, ils proviennent d'où, s'il vous plaît? Ce sont des productions locales ou sont des productions importées? À 80%, nous ne travaillons absolument pas avec des fruits importés. Nous travaillons à 80% avec la production locale des Hautes-Alpes. Mais comme ce sont des petites productions, il arrive parfois que ce soit en panne. Et bien, dans ce cas-là, il y a un certain nombre de régions françaises qui font d'excellents fruits. Je pense entre autres à l'Ardèche pour les fruits rouges, à la Provence pour les fruits jaunes. Et dans ce cas-là, nous allons soit en Ardèche, soit en Provence, nous dépanner. Mais nous essayons, dans toute la mesure du possible, d'utiliser exclusivement les productions des Hautes-Alpes. Ce qui est logique de promouvoir donc votre région, monsieur Gandon. Absolument, absolument. Ceci dit, nous avons eu des propositions de fruits qui venaient de l'étranger. Nous avons jusqu'à présent toujours refusé parce que la qualité n'est pas la même. C'est pas que je veuille à tout prix acheter français, mais notre confiture étant un produit très élaboré, nécessite un fruit qui soit parfait. Bon, ce qui n'est pas le cas des fruits de grande cavalerie qu'on reçoit de toute l'Europe. Donc là, ça va se mettre doucement à ébullition. Absolument. Il faut combien de temps avant que ça se mette à ébullition, monsieur Gandon? Une petite dizaine de minutes environ. Quand est-ce qu'on peut éventuellement avoir par rapport... Bon, peut-être vous avez l'idée du goût, puisque vous pouvez le goûter, c'est donc cette préparation. Mais l'odeur, quand est-ce qu'elle arrive quand on le met sur le feu? Ça arrive à quel moment? L'odeur de la confiture, est-ce que il y a un moment précis où il y a une odeur qui se dégage, qui permet d'avoir un déclic pour dire à peu près c'est un bon moment, c'est un moment heureux, c'est un moment où la confiture est en train de se faire? On commence à avoir une idée de ce que va donner le produit terminé lorsque le sucre arrive au perlé. Si vous voulez, il y a différents degrés de cuisson dans le sucre. Il commence par un mélange d'eau, de jus de fruits et de sucre commence par être très liquide. Puis, au fur et à mesure de l'évaporation de l'eau, vous obtenez un sirop qui est plus ou moins concentré. Et lorsque on atteint le deuxième degré de concentration, on commence à sentir une odeur de confiture. Avant, on sent seulement une odeur de fruits qui chauffe. Si vous voulez, le sucre commence par l'étape dite du sirop, qu'on peut utiliser pour faire un punch ou préparer une salade de fruits. Ensuite, c'est ce qu'on appelle le boulet. On l'appelle le boulet parce que lorsqu'on saisit le sirop de sucre entre deux doigts et qu'on laisse tomber dans une assiette, ça fait une petite boule. Et le dernier stade de cuisson du sucre, on n'en a pas besoin pour les confitures, on s'en sert en pâtisserie, c'est le caramel. Et lorsque le sucre se transforme en caramel, il devient dur et cassé. Donc la confiture utilise un stade intermédiaire entre le sirop de sucre et le caramel.
Donc là, il y a une préparation de combien de fruits par rapport à combien de sucre et éventuellement de miel, monsieur Gandon, pour ce récipient d'une contenance de La contenance totale, lorsqu'il est bien plein, c'est 5 kg de fruits et 4 kg de sucre. De sucre ou de miel, d'ailleurs. Et là, j'ai mis 4 kg de fruits, j'ai mis 1,5 kg de sucre, et on va rajouter 1,5 kg de miel, ce qui donne environ 60% de fruits pour 60% de sucre, pour 40% de sucre, environ. On va laisser doucement la préparation se faire. Après, on va rajouter le miel, et après, on va attendre que les bonnes odeurs se dégagent. Très bien, je vous remercie pour le moment, monsieur Gandon. Alors là, monsieur Gandon, dites-moi, comment ça vous est venu le goût des confitures, justement? Qui vous a donné ce goût de confiture? Ma grand-mère, qui était cuisinière dans une grande maison bourgeoise de la région parisienne, donc qui cuisinait énormément. Et j'ai eu la chance qu'elle soit très patiente. Elle m'a pris comme gueule sauce quand j'avais 3 ans. Et Dieu sait qu'elle était patiente parce que je pense que je lui ai fait plus de cochonneries que de travail utile. Mais ça m'a donné le goût de la pâtisserie, ça m'a donné le goût de la charcuterie, ça m'a donné le goût des confitures. Parce qu'à l'époque, dans une grande maison bourgeoise, on n'achetait rien de tout fait à l'extérieur. On avait une équipe en cuisine qui faisait tout comme ce serait le cas maintenant dans un restaurant. Au moins dans un restaurant traditionnel. Donc ma grand-mère fabriquait elle-même tout, que ce soit les pâtés, que ce soit les saucissons, les jambons crus, les jambons blancs, les confitures, les gâteaux. Donc elle m'a petit à petit, au fur et à mesure que j'ai grandi en âge, initié à ses tours de main, à ses secrets, à ses théories, etc. Elle m'a également transmis son cahier de cuisine, qui est un document absolument inestimable, puisqu'on y trouve des recettes qu'on ne trouvera nulle part ailleurs. Et puis ma foi, j'en ai fait mon profit, j'essaye moi aussi de transmettre ses savoir-faire. Et puis nous sommes de toute façon de tradition de gourmet dans la famille. Et quand vous avez une famille avec 6 enfants, des moyens pas énormes, et que vous aimez bien manger, il faut retrousser les manches, c'est indispensable. C'est vrai que, par exemple, dans une famille nombreuse notamment, c'est vrai qu'aujourd'hui, peut-être, je ne sais pas si c'est pour dire peut-être plus qu'hier, mais c'est important de gérer sa cuisine, parce que paraît-il que la vérité est au fond de la marmite. Vous reprenez une phrase familière de ma grand-mère qui rajoutait aussi que le moral était au fond de la marmite. Le moral est au fond de la marmite, ça c'est une très bonne sentence en espagnol, une bonne phrase en français. Et c'est vrai que bon, quand on n'a pas trop le moral, on se mitonne un petit plat et les choses vont beaucoup mieux. Je pense qu'il va être temps de rajouter le miel à notre mélange. Ouh là là, c'est déjà bien en ébullition. Voilà. Et ça a une jolie couleur, monsieur Gandon. Ah, une couleur un peu rosée. Comment vous la caractérisez, cette couleur? Moi, je dirais que c'est un rose tendre qui donne surtout envie d'y goûter. Et là, je pense que c'est très chaud, on risque de se brûler la langue. C'est fort possible. Est-ce que déjà l'odeur, on peut avoir une idée? Est-ce que vous pourriez vous avoir une idée de ce que vous souhaiteriez? Est-ce que ça pourrait être positif, cette odeur, monsieur Gandon? Là, pas encore, parce que nous n'avons que l'odeur du fruit qui cuit. Parce que nous n'avons pas encore la concentration suffisante en sucre, puisque je n'avais pas rajouté le miel. Et cette odeur à ce stade, comment on pourrait la caractériser, monsieur Gandon? Une odeur un peu aigrelette, je ne sais pas, est-ce qu'il y a un adjectif qui pourrait la caractériser? Oui, aigrelette, moi je dirais que ça évoque le fruit au sirop, puisque le fruit au sirop est un fruit qui est simplement cuit dans un sirop de sucre, et que là, nous en sommes là, à ce stade de la fabrication. Pour obtenir une confiture, il est indispensable d'obtenir une concentration en sucre plus importante, et c'est ce que nous obtenons avec l'adjonction de miel. Nous allons donc augmenter la teneur en sucre du mélange, et là nous allons voir peu à peu apparaître une odeur typique de confiture, c'est-à-dire une étape suivante par rapport aux fruits au sirop. C'est vrai que par rapport
D'après un traité des confitures de Nostradamus, j'ai lu en préambule, éventuellement dans la préface, qu'à l'époque, le sucre était très cher. Et aujourd'hui, le sucre est une denrée importante. Il y a un commerce du sucre qui se fait, qui est très très important. Et par rapport au miel, à l'époque, on mettait plutôt du miel ou du moût de raisin. C'est exact. C'est exact. Mais il faut dire qu'à l'époque de Nostradamus, le seul sucre qu'il connaissait, c'était du sucre de canne qui venait des Antilles. Alors, à l'époque de Nostradamus, vous vous rendez compte des problèmes de transport que pouvait poser l'arrivée du sucre venant des Antilles. Et donc, c'était considéré comme une épice extrêmement coûteuse, très difficile à transporter. Et de toute antiquité, l'homme s'est servi des propriétés sucrées du miel pour conserver les produits. D'ailleurs, même chez les Égyptiens, on trouve des traces de cuisine au miel. Les Égyptiens fabriquaient de l'hydromel, fabriquaient de la bière au miel et conservaient même de la viande dans du miel. Et accessoirement des personnes. Oui, mais les personnes n'étaient pas destinées à la consommation. Absolument. Par contre, j'ai trouvé dans un vieux grimoire une recette de filet d'oie conservé au miel. Ça fait de l'oie confite, mais c'est beaucoup plus délicat de goût et beaucoup moins gras que le confit d'oie qu'on connaît actuellement. J'ai testé cette recette et le produit est délicieux. Alors il suffit de prendre des filets d'oie que l'on fait confire longuement dans du miel bouillant. Ça donne un résultat au départ surprenant, mais que j'ai trouvé délicieux. Alors comme miel, nous utilisons, bien entendu, c'est évident, du miel de montagne. Et oui, ça, j'ai oublié de vous poser la question. Oui, quelle sorte de miel? Est-ce que vous avez un apiculteur attitré, M. Gandon? J'ai un apiculteur attitré et j'ai des apiculteurs de secours parce que la production de miel n'est pas forcément fiable dans le temps parce que ça dépend de l'état de la végétation. L'année dernière, il y a eu peu de miel. Cette année, il y a certaines qualités de miel où il n'y en aura pas du tout parce qu'il y a eu des gelées au printemps, parce que les fleurs ont été grillées par des chaleurs exceptionnelles en mars et en avril. Et donc, oui, nous avons un apiculteur, disons, de référence et nous nous dépannons auprès d'autres petits apiculteurs lorsque les quantités disponibles ne sont pas suffisantes. Est-ce un miel toute fleur? Est-ce un miel d'une catégorie spéciale de fleurs? Alors, on a essayé à peu près tout et on a fini par opter pour le miel toute fleur parce que c'est le plus suave de goût et il n'écrase pas les fruits. On a essayé par exemple avec du miel de bruyère qui est un miel qui a beaucoup de goût, et bien la confiture avait le goût de bruyère et non pas le goût de fruits, ce qui n'était pas du tout le résultat que nous recherchions. Voilà, ben, il n'y a plus qu'à attendre que ça boue et que la concentration en sucre se fasse. Il me semble déjà que là, l'odeur aigrelette a changé et s'est transformée en une odeur un peu plus sucrée. Un peu plus sucrée. Sucrée, oui. Parce que là, nous atteignons la quantité de sucre nécessaire pour que le passage en confiture puisse se faire. Vous avez mis à peu près quelle quantité de miel? Là, j'ai mis environ 1,5 kg. Donc 1,5 kg de miel, 1,5 kg de sucre, 4 kg de fruits. Voilà, là, il y a environ une demi-heure, entre une demi-heure et 40 minutes pour que l'évaporation de l'eau excédentaire se fasse et que donc les fruits soient confits dans le mélange de sucre et de miel. Par rapport à la quantité totale, par rapport à la quantité qu'il y aura au final, M. Gandon, ça va réduire de combien à peu près en pourcentage éventuellement? 30 à 35%. Ça réduit de 30 à 35%. 30 à 35%. Si vous voulez, avec 4 kg de sucre et 3 kg de fruits, on n'obtient pas 7 kg de confiture, mais environ 5 kg. C'est à peu près les normes, on compte que le produit final fera 120 à 125% du poids des fruits. Excusez-moi, j'ai pas compris. Que le produit final représentera entre 120 et 125% du poids des fruits qu'on a mis au départ. C'est-à-dire, quand vous mettez 10 kg de fruits, vous obtenez environ 12 kg de confiture. D'accord, ok, monsieur.
Et là, je vois que donc le local dans lequel vous travaillez est un local qui est bien aéré. Oui. C'est important. Oui, parce que les buées sucrées se fixent facilement sur les carreaux, après ça attire les mouches, les guêpes. Éventuellement les abeilles. Il faut que ça soit facile à nettoyer. Oui. Et là, je suppose que dans toute conception de cuisine, il est important d'avoir toujours un plan de travail, un endroit de travail toujours bien propre. Et oui, c'est indispensable. Et là, qu'est-ce qui se passe, Monsieur Gandon? Vous venez de le feu, parce que là, ça monte à l'ébullition. Voilà, et là, si vous voulez, à partir du moment où on voit l'écume apparaître, c'est que le phénomène de l'évaporation commence. D'ailleurs, on voit de la buée s'élever. Cette évaporation va amener donc une concentration du sirop de sucre qui va confire les fruits. Ça va d'une part donner le goût typique de la confiture et d'autre part permettre de conserver les fruits puisque l'autre végétation des fruits est partie et va être remplacée par du sucre. Et le sucre est un conservateur naturel. Est-ce qu'éventuellement, M. Gandon, pour avoir une définition de confire le fruit, qu'est-ce que ça veut dire confire le fruit? Eh bien, le confire, l'action de confire, c'est l'action, si vous voulez, de remplacer l'eau de végétation d'un fruit ou à la rigueur d'un légume par un agent conservateur. Cet agent conservateur, dans le cas des confitures, c'est le sucre. Et dans le cas des charcuteries, c'est le sel ou le vinaigre. Et dans le cas des fruits, ça peut également être de l'alcool. Lorsque vous faites macérer des fruits dans de l'alcool, vous remplacez l'eau de végétation des fruits par de l'alcool. Donc, le fruit ne peut plus moisir ni pourrir, il va rester tel quel. Parce que ce qui fait moisir le fruit, c'est la combinaison du sucre qu'il contient avec l'eau. Il se fait une espèce de fermentation. D'ailleurs, quand vous mettez du sucre dans de l'eau, vous obtenez une fermentation. Donc, en chassant l'eau des fruits, on stoppe le processus de fermentation et on obtient quelque chose qui se conserve. Mais ça, ce sont des notions extrêmement anciennes, il y a des millénaires, que l'homme s'est rendu compte qu'on pouvait conserver soit par le sucre, soit par le vinaigre, soit par l'alcool, soit par le séchage, mais dans tous les cas, il faut chasser l'eau du produit. Là, il me semble qu'il y a une bonne odeur qui se dégage. Oui, là, ça commence. Il y a une odeur de miel qui est vraiment très, très bonne, qui se dégage, que j'arrive de l'endroit où je suis à sentir. Et là, il y a une deuxième ébullition. Oui, il faut surveiller, d'autant plus que c'est un nouveau produit, il faut surveiller que l'évaporation se fasse dans de bonnes conditions, sans faire déborder la gamelle, bien entendu. Est-ce qu'il existe d'autres récipients plutôt que celui-ci que vous utilisez, M. Gandon, ou c'est une spécificité pour la confiture? Ça, c'est ce qu'on appelle la...